Attention, attention, attention. Oh, dommage, il l'a raté. Et dommage, c'était sa chance. C'est... Attention. Oh, c'est sa chance. Oh, il a un HP, lui. Il a un HP. Oh, le démon. Petit imbécile. T'es bête. Tu es fou. C'est ciao. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour cette finale endiablée du Jumbo Tournament? Êtes-vous prêts à vivre des émotions intenses? Êtes-vous prêts à voir 30 pros se mettre sur la gueule dans le mode le plus RNG? On va s'enchaîner, messieurs, dames, le tournoi des pros, c'est les 30 joueurs qui ont obtenu le plus de points à l'issue de l'Open Qualifier d'hier. Et ensuite, il y aura le tournoi des nullards. Je rappelle que 30 personnes qui ont participé à l'Open, mais qui sont pas très fortes, ont été sélectionnées au hasard parmi toutes celles qui ont participé. Ce sera le tournoi des nullards. Chacun des tournois va se jouer de la manière suivante. 5 games pour faire le meilleur score possible, faire le plus de top 1 possible. À mes côtés, j'ai une légende du cast, un peu gosse sauvage. On y est. Alors, on y est. C'est un peu comme si on castait les Worlds, là. Un peu, pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil, surtout le tournoi des nullards, les tournois des nullos, très attendus, très apprécié. Le cash prize, il est simple. Sur le tournoi des pros, on l'a réparti comment? 11 000 pour le premier, 6 000 pour le second, 3 000 pour le troisième. Sur les nullos, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même mis un petit peu de sous. 5 000 pour le premier. Oui, ce soir, il y a un nullos qui va gagner 5 000 balles en finissant premier sur les 30 personnes de son lobby. Le deuxième prendra quand même 3 000 et le troisième prendra lui 2 000 euros tranquillou, histoire de se dire qu'il a pas perdu son temps. Oui, en plus, vous n'avez pas perdu votre temps ce soir. C'est le comme ça. Mais qu'est-ce que ce mec est professionnel. On y est, go. Ça y est, ne quittez surtout pas la game, les joueurs, s'il vous plaît. Restez à vie dans cette putain de game. Resettez bien vos scores, messieurs, dames, pas de triche. Nathmore, Kurama, Lotemo, je vous laisse reset. Au pire, on retirera de votre score. Les Jumbo Games commencent. C'est parti, mon ami. Les Jumbo Games commencent. Et c'est Deepwater pour la première manche, c'est très simple. Il faut pas tomber tout simplement dans l'eau. Alors attention, je suis sur Snaze. Il y a deux mecs protégés. Ils sont morts. Comment ils ont pu mourir là? C'est censé être des pros. Parce que soit tu te fais cogner quand tu touches les structures. En fait, les pros doivent éliminer des mecs. Tu vois, là, regarde, la mobilité du joueur lui permet d'essayer de tuer. Et dès qu'il a pas le choix, il a pas le choix. En fait, une fois qu'il est entouré, il a pas le choix. Non, mais c'est magnifique. Snazzy a été vraiment exemplaire. Attention, Death from Above, comment des pros jouent ça? Parce que là, va falloir quand même pousser les gens. Snazzy qui défend. Non, ils sont poussés. Il est dans la mêlée. Il est très très bien. Il y a déjà 3 morts, mon cher Dwag. 3 personnes sont dead. Bah là, Snazzy, il joue défensif. Il va essayer de jouer le temps en essayant de peut-être attendre que quelqu'un se fasse tuer par un duel adverse. Il a failli la prendre. Faut défendre à tout instant. C'est solide. Même s'il faudrait montrer un petit peu d'autre POV, mon cher. Pardon, excuse-moi, je suis pas très objectif. Non, mais la glissade, la race, la course. Oh, on a Snazzy qui démarre un peu devant avec Slay, on voit avec cette POV de Nako. Beaucoup de positionnement. Attends, je crois qu'on a le drone maintenant. Regarde, on a le drone. Et regarde, on voit ce top départ. C'est exceptionnel. On voit ce top départ. C'est Shirox qui est devant. Regarde, en pauvre joueur, Snazzy est quatrième. Shirox qui a déjà fini, Shirox qui est arrivé premier. Est-ce que ça passe pour Snazzy? C'est le dernier. Oh bon, là ça va être du skill. Oh mon dieu. Et le but, les gars, c'est de passer le plus de temps possible dans la zone en haut illuminée. C'est un mode de jeu inédit, exclusif, que vous ne verrez que dans cette map Fortnite. N'hésitez pas à y jouer, vous verrez, c'est très amusant. Nathmore qui a une bonne technique, hein. Nathmore qui bunny en faisant le tour de la map comme un rat. Ça marche très très bien. Alors il y a toute une technique à faire sur les plateformes ici, mon cher Dwag. Le but, c'est un peu d'essayer de prendre un coup et d'atterrir sur l'une des plateformes pour pas se taper le temps de remonter en haut. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait partie des techniques, tu vois. Et Bara X qui est là depuis un moment. Regarde. Et qui rentre sur la... Mais Bara X qui a tout compris. Lui c'est bon. Ouais, lui c'est bon. Oh, c'est le mode de Bara X. C'est vrai que lui... Ça l'a pas fait pour Snaze. Nathmore, Snazzy, c'est down. Et là, on est sur le Coin King. Donc, il faut garder la pièce le plus longtemps possible. Le petit Jumbo d'or, vous l'avez aux côtés de Bara X, justement, qui vient de le perdre. Qui va essayer de récupérer des... face à ce duel. Ils sont trois maintenant dans cette escapemouche. Oui, elle est plutôt belle, l'escape de Bara X. Il y a 2 pièces, je crois, pour 6 joueurs, ou 3 pièces peut-être pour 6 joueurs. Erzadjan, il est tranquille, il met des feintes parasols. Il a l'air plutôt bon, Erzadjan. Il a l'air plutôt bon. Il vient se faire voler.
Junko et Jan, ils ont le skin et le couteau qu'on disait. Hein. C'est vraiment pour être le plus vivace possible sur certains modes. Je crois qu'il n'est même pas suivi, il s'est fait oublier, Zedjan. Alors là, mon doig. Hot potato. Et ça commence avec Zedjan, on va voir s'il est si fort que ça. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de monde, c'est un contre un, c'est le... Je crois qu'ils sont trois, ils sont trois, j'ai l'impression. Oh, attention. Un millimètre. Est-ce que c'est pas le duel final? Est-ce que c'est pas... Je crois que c'est le duel final, je crois que ça affiche 3, mais c'est... Oh, la chance, hein, de pas avoir eu la bombe dès le départ, faut le dire, l'aléatoire fait aussi un petit peu partie du jeu. Et non, c'est terminé, là, c'est... Avantage à la défense. Bien, en plus, Bara X qui fait le top 1 sur cette première game. Bara X, le top 1 qui est bien récompensé. Et là ça part. Donc on y est, deuxième game. Mon ami, ils sont là et ils sont 30 pour cette deuxième game du Jumbo Game. Installez-vous confortablement. Qui va remporter le cash prize? Qui va finir sur le podium? Snazzy, il est pas très bien parce qu'il est vraiment au milieu de... Vous le voyez, il est au milieu de l'écran, les gars. Il est entre... Il y a un battle. Et les deux se sont entretués. Le Gourbi et Miguel, ils se sont flingos. Et attention, on regarde, hein. Là, il y a des stickers qui poursuivent deux personnes parfaitement à poil, l'Otemo et la cible. Et attention, on l'a vu, M8 Izoka, on l'a vu du côté de Nako. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Attention, ça a été affilé. Il l'a vu, Nako, il a fait une fin du regard. Attention, c'est un duel intéressant, là, Tous les mecs qui ont pas de stick sont globalement ensemble à l'extrémité gauche de la map, tu les vois, là. Ils sont tous ensemble là-bas. Ils sont deux sticks, il y a deux sticks ici. Comment ils vont faire pour s'en débarrasser? Bien, on va rester là. Il a réussi à s'en débarrasser, Nitro Snail, à la dernière seconde. Bien joué. Il a eu chaud au cul, Nitro Snail. Est-ce qu'il y a encore notre ami qui a fait... Il y a Para X, il est là. Les éliminés, je les oublie très très vite. Autant ceux qui sont encore dans la course, ça je pense à eux. Il faut esquiver, il faut faire gagner son équipe. Hein, parce qu'il faut éliminer l'équipe adverse. Si tu te fais toucher 3 fois par un sac à patates, c'est terminé. Et on voit que Para X, il lui reste 2 vies. Et il y a toujours personne qui a été. Para X qui est dans la merde. 15 secondes pour tenir. C'est peut-être son moment. Twist qui est mort, Para X. Pour l'exploit, Para X. Honnêtement, il passe là, c'est sa soirée. Il passe là 10 secondes. Il est passé. Il a éliminé assez vite. Le niveau de jeu, attends, mais t'as raison, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Alors là, je t'explique. Là, on va voir s'il y a un coup de pute qui va être fait, mais logiquement tous nos joueurs arrivent en vie, sauf si un des joueurs joue un peu en mode attaque. Para X, je t'aime. Para X, t'es mon chouchou. Para X, j'ai rencontré dans la vie. Alors Para X, là, s'il veut utiliser ce gun, il faut qu'il vise le mec avant que Jumbo passe en rouge. Eh non, il va la jouer. Oh mon dieu. Ça passe pour... Quel joueur, Para X, je t'aime. Para X, fais-le, je t'aime. Élimine quelqu'un. Oh, il a mis la pression, il avait pas besoin de tirer. Putain, Para X. Quel joueur. Para X. Coin Kings, on retrouve cette pièce. Cette pièce d'or Jumbo qu'il faut conserver à tout prix. Et ouais, regarde, là ça va se battre. Alors là au début les joueurs sont toujours stackés, mais généralement voilà, il y a toujours... Ah, il a bien tenté sa fuite ici, mais c'est pas passé. Il a été, je pense, pris en max range de la part de Snay. Il y a qu'une pièce, mon ami, dans le lobby. Easy qui est sur le palmier, qui est en V1, il veut faire tomber Bara. Et non, Bara lui vole la pièce avant de tomber du palmier, mon doig. Il connaît la map par contre. Oh là, mais il connaît la map comme sa poche. Non, non. Oh là là. Il a retourné. Il a back to back. Il a back to back, la légende. Mais frérot, on est pas loin. Le mec il fait double top 1 dans le mode le plus RNG qui soit. Faut surtout pas laisser Para X refaire un top 1 sous peine que aucun de ses 10 premiers n'ait une chance de monter sur la première marche du podium. Mais tout est encore possible, doig. Et c'est parti, mon doig. Allez, regarde. Donc là, je rappelle les gars, ce mode de jeu, il y a des joueurs qui ont des drapeaux dans les mains. Ils doivent tuer un autre joueur qui peut résister 4 hits. Le 5ème hit le tuera. Et là, on voit l'Otemo qui est en train de chasser un joueur directement. L'Otemo qui fait tout pour utiliser le vol sur le parasol pour être projeté plus loin. Il a essayé de couper la route à Natmore. Malheureusement, ça passe pas. Natmore qui est pas dupe. Natmore qui a aussi un drapeau. Il l'a pas vu, l'Otemo. Ils ont la même cible tous les deux. Il y a que l'un des deux qui va s'en sortir. Il a changé de cible. Il a changé de chose, l'Otemo. Il est parti avec un autre. Ça y est, c'est fait. Je rappelle qu'une fois que vous tuez quelqu'un, vous devenez maintenant chassé à nouveau. Et donc là, il a pris les HP. Hein. Natmore. Natmore, c'est Snazzy. Natmore qui joue sa survie, non? C'est son pote, ça sert à rien de taper sur un mec qui a un drapeau. C'est fini pour Natmore. Snazzy qui a failli mourir, hein. Il avait deux gars avec des drapeaux au cul. Para X, lui qui est en train de devenir l'élu, même si effectivement quelqu'un qui fait de top 1 peut revenir à sa hauteur. Mais là, c'est un mode très difficile pour Para X, hein, parce que là, c'est Battle Royale, c'est un petit peu en plus. Et puis là, s'il se fait un focus. Mais tu sais pourquoi il est trop malin, frère? Tu sais pourquoi c'est un génie? En fait, tu dis tellement pas qu'un mec va être au milieu de tout le monde, tu vises pas le mec au milieu de tout le monde. Je sais pas ce que je veux dire. Tu vas te défendre contre les mecs des côtés, face aux mecs des côtés, parce que tu dis qu'il joue comme toi, les mecs des côtés, parce que tu penses que le côté est plus safe. Para X, c'est tellement différent des autres. Para X, il est tellement au-dessus des autres. Il s'en bat les couilles, même si lui aussi, il s'est allé sur les côtés quand il le
tempo, mais il a pas peur d'être middle, il a pris 0 et c'est les premiers hits. Mais là, oh, faut que tu te rends sur le deuxième hit, c'est le problème. Une fois que t'es focus, ouais, une fois que t'es fragile, tout le monde te met dessus. Et le problème, c'est que s'ils ont repéré la POV, parce qu'ils ont peut-être une apprendre par Y raison, ils pourraient peut-être avoir encore plus envie de le viser. Pareil, s'ils pensent entre 2 minutes pour moi qui se tient de plus. Non, mais là, c'est pas possible! Là, c'est pas possible! Mais il a le temps, c'est pas pour voilà. Et ça relance tout! Et ça relance tout! Les dés sont relancés, ça va être entre. Snay, je sais qu'il est dans le top 3, il est encore dans la game, ça va être l'homme aspect Snay. Il est premier pour le moment, Nitro Snay. Je crois qu'au classement général, il était top 3 si je dis pas de bêtises. Alors attention, j'essaie de changer. Stankila, qui est après le Q. Il lui a donné la bombe à Skylanders, je crois il s'appelle. Skylanders s'est retrouvé avec la bombe. Là, malheureusement, c'est Skylanders, hein, depuis qu'il a la bombe, il a pas réussi à la refiler. Ça s'est joué à un pixel. Et ouais. Oh, presque. Où elle va spawn? Je vais attendre avant de. Ah, elle a déjà spawn. Oh, elle est derrière, elle est derrière. Elle est derrière, ouais, elle est derrière. Ouais, on va mieux voir. Attends, il l'a donné, Ryze, je viens de la donner. Ça se tape là, ça se tape, hein, ça se tape. Ryze vient de la donner, ça sort. Et ouais, magnifique. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire Ryze. Erzadjan qui veut. Taper. Oh, magnifique. Oh là là, Jan. Magnifique ce qu'il vient de proposer. Attention parce que ça lui colle au cul. Et là, regarde, il va rejoindre Mato, il est pas con. Mato, il a raison. Tu le fais tomber. Il veut lui donner notre cible. Il veut lui donner notre cible. Il veut qu'il arrête de le suivre. Il a compris qu'il a raté ma main. Il veut lui donner notre cible. Ouh, oh, ça s'est joué la tête de Mato. Peu de chance. Oh, c'est Nitro Stay. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Non mais on va peut-être avoir un beau duel ce soir entre deux personnes. Si seulement il arrive à tenir Snake, il se la reprend peut-être au plus timing. Et ouais, il se l'est repris. C'est à toi de me dire Squeeze. Il reste beaucoup. Non, c'est terminé pour Snake. Oh. Ça doit faire les affaires de Bara X. On a notre top 3 et là mon gars, c'est simple, ça va être bah, celui qui garde la pièce le plus longtemps. C'est et Lotemo qui a un avantage. Et non, il conserve cet avantage. Lotemo qui a spawn avec la pièce, hein. Ça c'est le cul bordé de nouilles. Ça c'est la RNG, il se la fait voler. Il se la fait voler, attention. Erzadjan qui a l'air en point. Erzadjan, oh dommage, c'était une belle fuite. Et il se la refait prendre. Erzadjan qui réussit à la conserver. Lotemo qui réussit à la conserver. On a notre troisième joueur. Le jump. Non, il l'a perdu. Je pense que. Total, 10 secondes. Je pense que c'est Lotemo qui est devant. Ouais. Je pense que c'est Lotemo qui est juste devant Jan. Et Jan qui se sera bien battu. Lotemo. Et petit point, Lotemo, regarde. Et attention, rien n'est joué, mec. Mais voilà, Jan. Tous ceux qui ont plus de 300 points, ils sont dans la course au titre. Donc attends, je vais mettre sur. On va se mettre sur un Lotemo ou non? Qu'est-ce qu'on en pense? Lotemo est là. Avec Lotemo qui a gardé le même skin, hein. Il s'en bat les couilles, Lotemo. Et il y a zéro mort pour le moment. Regardez la map comme elle est infernale. Et Nitro Snay! Tu viens de se faire écraser! C'est fini pour Nitro Snay! Il reste plus que Lotemo pour aller chercher le top 1. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pression, mec. C'est pas des gens qui ont peut-être aussi l'habitude d'être sous cette pression à ce genre de mode de jeu, dans ce genre de mode de jeu. Donc il y a une pression différente. Et là, c'est la pression de l'aléatoire, d'un truc que tu comprends pas vraiment, qui est pas facile à gérer. Et là, Dwag, il faut que Lotemo élimine Bara X. Et attention, Lotemo pour écrire l'avenir. Lotemo pour écrire l'avenir. Oh, je crois pas. Lotemo, désolé, hein, mais je crois pas que t'as ce qu'il faut. Lotemo. Attention. Oh, dommage, il l'a raté. Et dommage, c'était sa chance. Attention. Oh, c'est sa chance. Oh. Il a un HP, lui. Il a un HP. Lotemo. C'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grandes personnes. Cet homme a peut-être un destin, il vient de se prendre un hit. Attention, il est traqué. Tranquille, 3 secondes. Normalement, il a le temps d'esquiver tous les hits restants. C'est bon. Lotemo continue d'y croire. Pareil que c'est Lotemo sur la même place. Alors, certes, c'est la première et la deuxième place là que vous voyez sous vos yeux. C'est ceux qui vont peut-être prendre le plus d'argent ce soir dans ce tournoi professionnel. Pareil qui démarre très bien. Lotemo qui prend pas la glissade parce qu'il veut essayer d'orienter, il s'est fait gêner. Lotemo qui prend le pire scénario possible. Parce que maintenant, il a du retard. Il doit prendre des risques supplémentaires pour essayer d'attraper ce retard. Parce qu'il y a un nombre de places limité. Il y a un mec qui tombe, on s'en bat les couilles. Mais ça continue pour Lotemo. Pareil, j'espère qu'il est parti très loin, mon frère. Parce que j'espère qu'il va gagner ce soir. Je t'aime beaucoup. Je te connais pas, mais je t'aime beaucoup. T'as l'air d'être un bon, t'as l'air d'avoir ce qu'il faut dans les. Ouais, non, je pense que t'as déjà fait des grandes choses dans ta vie. Parce que ça veut dire que tu sais ce qu'il faut faire pour être dans le top 1% de quelque chose. Et regarde un peu, hein, regarde Miguel qui a une avance considérable. Miguel, pourtant, qui est mort un peu early game à toutes les précédentes games. C'était pas sa soirée, le pauvre. Et ensuite, il y a Lotemo qui, logiquement, va se qualifier. Snaze qui est. Bara X qui est dans les derniers. Bara X qui va pas se qualifier. Et attends. Il a réussi à. Je crois qu'il va, il va mourir sur la ligne. Bara X qui est le dernier. Qui vient tomber Snazy, je crois. Il doit tomber ton poulain de merde là. Pardon, excuse-moi, mais. Oh, chiotte. Non, désolé, tu m'as fait trop peur, frère, avec ton dernier Bara X. Rien à foutre. Bara X qui est le dernier à se qualifier. Attention, autre potato, là ça va se régler. Non, et Bara X, j'aimerais qu'il spawn avec la bombe et qu'il marque l'histoire. Non. Oh mon dieu. Il s'est fait refiler instantanément. Oh mon dieu. Ah non, il a refilé directement. Alors attends, il y a Stan qui a la bombe pour le moment. Et qui se focus sur RZ Easy.
Et je crois que côté Stankila, ça va pas passer. Ah, il a refilé! Il a refilé! Il est bien mort! Il est fait faire choper! Oh, ça fout trop le seum! Il a déjà gagné, Barrix. Il a pas besoin de faire ce qu'il fait, mais c'est juste pour l'honneur d'aller chercher 3 top 1 d'affilée. Pas d'affilée, pardon, j'abuse, mais 3 top 1 sur 5. Oh ah, malheureusement. C'est terminé. Bah ouais, toutes les gens ont une fin. Toutes les gens ont une fin, mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir la performance peut-être d'un grand monsieur, d'un. J'ai rien dit! Il a pas de limite et il s'assoit sur son siège, bien confortablement, vous avez stressé? Pas lui! Mais frérot, c'est le GOAT ultime ce mec, c'est un truc de ouf! Ok, c'est parti. Dwagby, n'oublie pas, là c'est one tap, 2v2. 2v2, tu te fais toucher, t'es mort, one tap, attention. Attention, évidemment, ça se recule le plus possible pour jouer. Oh mon dieu, Miguel, je fais! Pareil, c'est 1v2. Là où les autres ne l'ont pas fait, toi tu vas le faire. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Et là, pareil, là, c'est ça, là ce serait l'exploit de trop, les gars, ne. C'est la vraie vie, on n'est pas Hollywood, c'est la vraie vie. Mais la vraie vie, justement, il est venu pour la déchirer en deux, la vraie vie. Paris, s'il te plaît, mets-la. Non, Paris, pour l'histoire. C'est si dur, 1v2. Attention, alors là, est-ce qu'ils vont jouer en mode attaque ou pas? MDR. Là, les MDR. Deux peuvent passer. Hein. Il va niquer comme ça. Là, les deux peuvent passer et du coup, on passe à la manche suivante. C'est ça que. Ouais, les deux peuvent passer, mais ils comptent pas passer, frérot. Je t'explique. Ils préfèrent se piocher la gueule dans le sport. Mais ils ont raison, parce que le premier qui rentre sur le terrain, il va se faire. Mais là, je ferais quoi? Je ferais esprit droit et je partirais déjà sur le. Ouais, moi aussi, je ferais ça. C'est vraiment ce qu'il fait, YouTube. Ouais. Il est parti au pire moment, ce con. Oh, c'est drôle. Pas la fin de pseudo, mais. Lotemo, oh putain, comme c'était. Lotemo garde sa deuxième place. Mais attends, YouTube Inot qui a top 1 la dernière game, qui a volé. Et bah oui, il l'a volé. Snazy qui a mis un peu trop de temps à rentrer dans son BO, malheureusement. Ah, Lotemo, on me dit qu'il avait 77 points quand on a lancé la game. Je crois qu'il avait reset, les gars. Louis a check et Lotemo n'avait bel et bien pas reset. Non, Lotemo. Lotemo et Kurama sont les deux qui n'avaient pas reset. Lotemo était à moins 77. Ça fait que Lotemo passe à 826. Inot 93, finalement. Prend cette deuxième place et Erzéjan prend cette troisième place. Sache que Baraïx, les gars, est un Anglais. Eh oui. C'est pas un Français. C'est ouf. On peut peut-être l'ajouter. Attends, tu peux le switch. Hello, je peux parler un peu des Français, mais j'ai l'été d'être à l'école. Congratulations. You're so high. No problem, Baraïx. You are the GOAT. So how you heard about the tournament? I have a friend who speaks French, and he told me. Did your friend try to qualify, or he just let you play? He couldn't play. Okay. Ah, yeah. He's bad. He's nulos. Because you have a second tournament, but he's a nulos. Merci Baraïx, ASD, ton vrai pseudo. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you, ASD. Et tu vas être contacté par Chito, je pense, qui était déjà en contact pour le cash prize, pour les modalités, etc., qu'on puisse te verser l'argent. Mais bravo, franchement, c'est mérité à 3000%. On doit enchaîner sur les nulards. Le code, j'attends le prochain code pour le tournoi des nulards. C'est bon, je l'ai. On va vite le savoir si on est vraiment sur le tournoi des nulards ou pas. Respecte les nulards. Tu vas voir que pour John, ils vont être plus rapides que les pros. C'est le thème ou pas? Est-ce qu'il y a bien un soir où je peux me défouler sur les nulards en étant légitime, parce que habituellement, on les surprotège? Mais fouleur la paix. 25 nulards en piste pour aller chercher du cash. Allez, ça fait plus de chance pour les autres. Je rappelle, les nulards, c'est 30 personnes qui ont été sélectionnées au hasard, qui ont participé aux Open Qualifiers et qui ne sont pas dans le top je sais plus combien. On y est. Et y a ils vont se démonter la gueule. Donc ils ont été sélectionnés au pif et c'est déjà de mort. J'ai hâte qu'on voit qui va se distinguer. Je ne rappelle la prochaine game. Mais du coup, ils seront sûrement inspirés des stratégies des pros. Après, il y a une différence entre s'inspirer et savoir les reproduire. En tout cas, voilà, ça va souvent se finir comme ça assez rapidement parce que vu qu'il y a beaucoup de morts rapides, bah les rôles vont pas jusqu'au bout. Ils vont peut-être nous surprendre, hein. Y a peut-être des gens qui vont se distinguer. Hein. Moi, ma théorie, c'est que les meilleurs des nulards, c'est pas des nulards. Honnêtement, y a aucune glissade, y a aucune optimisation de terrain. Et pourtant, Okami ne reçoit aucun danger. On est bien sur le tournoi des nulards. Et tant mieux pour Okami qui a peut-être faire une performance ce soir, prendre des sous-sous. C'est pas tous les soirs que ça soit accessible. Mais elle se l'est fait voler. Ah, bah il faut s'en rendre compte aussi. Il y a un petit délai. Elle switch un peu. Voilà, Justine, bienvenue à lui qui rentre dans le tournoi des nulards. Il se fait voler, Justine. Il vient de se faire voler. Alors, on voit clairement que c'est stack de baisers, mec. Ah ouais, ils sont les uns sur les autres. Ça ressemble à mes lobbies. Voilà, j'ai retrouvé mon jumbo game. Là, on va voir le vrai niveau. Ouais. C'est vrai que là, ça va commencer à se démarquer. Il y a un peu de spacing, un peu de déplacement qui optimise. Qui, entre guillemets, peut aussi se noyer sous la galère dès qu'il a le premier pépin, il stresse. Oh, Stéphane! Bah voilà. Et illustration parfaite de ce que tu nous disais. Oula, attends. Un infiltré? Pardon? Attends, mais là, ce qu'il vient de faire, frérot, dans le tournoi des nulards, c'est. Ouais. C'est un faux nulard, ce mec.
Non, non, lui, il est camouflé, faut pas le suivre. Et je pense qu'il est vigilant, il veut pas se faire remarquer. Il a raison, j'aurais fait pareil. Camouflé dans ton annulaire où tu peux aller prendre du cash price. Tu peux pas te remarquer, tu finis, voilà, discretos. Tu finis deuxième. Attention à lui. Attention à lui. Gabriel, on t'a à l'œil, attention mon ami. Pour le moment, les joueurs forts, ça va être le skin Among Us, c'est lui, Franklin, et Gabrix. C'est nos deux joueurs forts pour le moment avec Okami, c'est les trois plus forts, je crois, ouais, que j'ai repéré. On va voir qui se pose avec la bombe. Alors attends, qui a la bombe? Ça peut être très violent. Ah, c'est Gabrix. C'est Gabrix, justement, qui va devoir montrer un peu de l'étendue de ses capacités. Là, il peut pas faire semblant, il peut pas... Ouais, il peut pas cacher son level. Oh, mais c'est un petit peu la trajectoire. Ça a été donné aisément, ça a été pas donné. Gigope. Là, t'as eu panique. Tu vois, les coups dans le vide, on le voyait très très peu la game d'avant. Genre, wow, il tapait quand ils étaient dessus. Ouais. Et il veut se venger, il veut. Attention, peut-être, il va le faire. Et non, c'est dommage, l'acolyte fou. C'est terminé. Et ils sont stackés les uns sur les autres, hein. C'est un cadeau qu'il lui fait. Ah là, c'est un bon timing. Là, il lui fait un cadeau, effectivement, d'être trois comme ça, là, sur le même angle. Il faudrait qu'un mec. Ah, il est au cabinet, il part direct dans le bac. Hein. Ah non, là, il a raté sa chance. Ah, c'est dommage. Et là, enfin, Okami. Bah, je suis content parce que depuis tout à l'heure, il se fait discret. Là, faut qu'il se mette un peu en difficulté. Et je pense que Gabrik, c'est pas la bonne solution. Eh non, il a paniqué Okami. Le jeu Gabrik. Malheureusement, c'est pas facile, il est pas tombé sur le bon morceau. Et ouais, c'est dur pour Okami. Eh non, avantage défense. Il tempo. Arbre magique. Bien joué, ça va être la finale entre les deux persos, hein, que je t'ai dit, qui pour moi sont les deux qui ressortent pour le moment du tournoi des nullards, c'est Gabrix et Franklin. Ça va se régler au skill pur dur. J'aime bien Gabrix. Pour aller chercher les points du premier qui sont quand même assez conséquents. 300 points, mesdames et messieurs. Oh, ça aurait pu se taver dès le spawn. Hein. Dès le spawn, il y a le petit temps de latence en tant que ça démarre. Attention, Franklin Tremplin qui veut lui aussi. Franklin vise très bien. Je mise une pièce sur Franklin. Mais t'as raison qu'en face, ça a l'air d'être moins précis. Trop bas, Gabrix. Ah, ça, ouh. T'as raison que ça se. Franklin est meilleur. Faut pas qu'il y ait des yeux. Qui se met un peu moins calculé, s'est lancé. Faut pas qu'il y ait des yeux, je l'ai vu dans ma tête, hein. Oh, elle vous a touché chez vous, je pense aussi. J'ai eu l'impression de la prendre dans la tronche, hein, personnellement. Ah ouais, allez, wow. Franklin. Ok, putain, il a levé un peu, c'était beau. Ah non, mais Franklin. Bah, on en reparlera, celle-là. Si Gabrix gagne, c'est du vol. Bah là, peut-être que Gabrix, il va jouer sur l'endurance, il va jouer sur ça, et peut-être que Franklin Tremplin. Non. Il va se. Voilà, et bah ouais, non. Mec, je l'ai senti. Il va justement commencer à perdre de patience. Et ouais, je l'ai senti, mec. Gabrix, champion, winner. 300 points. Mais après, c'est le mode spec, les gars, il y a du lag. C'est le comme tout à l'heure, il n'y avait pas la bombe autour de ce qu'il avait, il y a du lag avec le mode spec, donc bon. Là, on a un petit top 6 qui se dessine qui est pas mal. C'est parti, ça va se régler directement. Ça va se régler hide and seek. Alors là, c'est du ski, c'est du déplacement, c'est du focus. Il faut tout simplement ne pas être chasseur à la fin de la game. Et pour ne pas être chasseur, il faut tout simplement aller donner son drapeau à un adversaire. Oh non, lui, c'est un vrai noulard. Lui mettre 4 coups de pioche. Donc en fait, là, le mieux pour le big, mais qui a pas capté, il aurait dû suivre un de ses potes avec un drapeau. Bon, il s'est isolé, et il ne se passera rien. Tu peux switch sur quelqu'un d'autre. Si, Mais là, si c'est fini. Hein. Pour big. Et regarde, là, ça attend tranquillement. Ça s'est isolé. Tranquille. Ça attend tranquillement. Ça, c'est des modes où les mecs du big 8 peuvent quand même mourir, hein, frérot. Hein. Tu sais, il y a quand même une part de big RNG sur ce mode-là. Des fois, tu te fais chaîne pioche. Tu vois un mauvais pattern. Tu te retrouves bloqué. Il y a Okami qui joue la strat. Ouais. Ah, regarde, t'as vu, ça joue beaucoup plus passif chez les Noomblars. L'Alliance, ça joue beaucoup plus passif chez les Noomblars. Gabrix qui est mort. Écrasé. Bah ouais. Les gars sont rebattus. Eh oui, vous parliez trop vite, mesdames et messieurs. Rien n'est fait dans le tournoi des Noomblars. Ok, il nous reste Okami. L'acolyte fou, il est encore là. Je crois qu'il était aussi dans le top. Oh, le Scal, il est encore là. Le drone pour le départ. C'est on parti. Sait, Franklin est là. Okami. Et Okami qui vient d'être reset. Elle s'est pris des pics. Okami qui vient d'être reset. Scal qui est toujours devant. Starark qui est aussi là. Starark qui avait fait une pas très bonne première game. Et les cartes sont rebattues depuis que Gabs est mort. Attention, ça trace. Nelly. Nelly qui est devant. Et c'est Okami, hein, qui est derrière. Okami qui va peut-être pas le faire. Stress. Je pense que c'est fini pour Okami. Quel joueur intéressant il nous reste. Il y avait Okami et je crois qu'après c'est du. Ah, il y a Scal qui vient de le passer. Et ouais, hein, malheureusement, Okami qui s'incline sur cette deuxième game. Hélas. Ah, il est battu. Il est totalement battu. Il est battu, Okami. Ça, j'en rêvais. C'est le 1, 2, 3 soleil des doublards. Celui-là, je voulais le voir. Attention. Allez-y, les gars. Allez, c'est parti. Prenez votre temps, gridez pas, les gars. Je peux vous donner. Oh non, mais. Bah voilà. Que c'est ça, non, mais double kill. Instant double kill. Triple kill. Quadra kill. Et le problème du noublard, c'est. Bah, y'en a un qui est mort à droite. Attention, Franklin, il va attendre d'être à deux doigts de la ligne. Il va se retourner, il va tuer un noublard. Regarde bien. Franklin qui joue pour le spectacle. Non, c'est pas un noublard, Franklin Tremplin. Franklin, il joue pour le. Je te le dis, il va jouer pour.
Moi, s'il vise l'acolyte fou, c'est le clutch du siècle, puisque l'acolyte fou le colle au classement général. Et ça, faudrait déjà avoir pris le temps de reconnaître qui est qui. Et Starar qui vient de mourir tout seul. Ouais. Attention. Ouais, tout seul. Eh non, il joue safe. Eh non, tu vois, c'est la diff entre les pros et les noublards. Bah, le noublard, il va jamais prendre de risque. Il va toujours jouer safe. Il va jamais être en mode clutch parce que, voilà, il aime pas trop les situations stressantes. Voilà, c'est moi. Alors que le pro, lui, il craint rien, il se retourne, il reste immobile, paf, il élimine un gars, il repart. Et ouais, c'est la diff. Mais oh oui, le random absolu. Voilà, là, on n'a plus rien à foutre. C'est vous et votre chance, trois personnes. Est-ce que c'est la finale? Est-ce que c'est la demi-finale? MDR. Il est mort instant, Zibane. Instant. Il est mort. MDR, Polochon du 92 qui fait un pop, hein. Non, mais d'où sort-il? Je crois que ce mec est mort très très tôt Game 1, son pseudo je l'ai remarqué parce que c'est Polochon, c'est quand même drôle. Il est mort très très tôt la Game 1, Polochon. Mais Polochon, frérot, c'est ta soirée, concentre-toi. Oh mon dieu, Franklin Gab, Chalcella, Kilodev, Starark, Acolyte, Okami, c'est les joueurs, les 10 joueurs qui sont détachés du reste pendant ce tournoi. Et ça va se jouer maintenant. C'est parfait pour démarrer. On a été très excités toute la soirée, mais là, parfois, les temps de silence seront même bien plus importants pour le suspense. Et ça part. Mettez-vous à la place d'un de ces joueurs qui est un nullard et qui ce soir va briller. C'est terminé. Calypso, Kilodev vient de mourir. Et on apprend et il faut réussir. Starark aussi, il était dans le top 10. Mais tu vois, mec, tu vois, c'est ça que je te dis. C'est que c'est en eux, c'est dans leur sang actuellement. Non, ça s'est précipité, ça s'est jeté au moindre stress, au moindre... Mike qui vient de mourir. Non. Mais tu vois, mec. Mais les gars, les gars, 5 joueurs du top 10 viennent de mourir. Merde, ma plateforme va tomber, qu'est-ce que je dois... C'est que Kyolien, ils savent le faire. Mais aujourd'hui, là, maintenant, c'était trop dur. Mais ils savent le faire, mais là, c'était trop dur. Oh, mec, attends, Polochon est là. Gabrix est là aussi. Ça va jouer entre Polochon et Gabrix. Pour le top 1. On voit la pof de Polochon actuellement. On voit la preuve de Polochon. En qui est premier. Polochon qui est premier. Juste pour mettre la pression. Juste pour mettre la pression à tout le monde. Franklin Polochon qui est juste derrière. L'acolyte aussi. Mais oui, je t'ai dit. L'acolyte, c'est entre deux. T'as soit le pro caché, soit la belle histoire, monsieur. C'est ça qui est Gabrix qui vient de tomber. Gabrix qui va peut-être pas passer. Alors, je sais pas si c'est les 4 ou les 5 derniers joueurs qui sont éliminés. Mais si c'est les 5 derniers, Gabrix ne passe pas. Oh, Gabrix qui fait une remontada de ouf. Gabrix sur la ligne. Il lâche rien. Sur la ligne. OMG, alors là, mon gars. Franklin est rouge, Gabrix est bleu. Polochon, il est rouge. Non, il est rouge. Ok. Oh mon dieu. Et là, il y a l'un des trois qui va devoir mourir. C'est les jaunes qui dominent. L'un des trois va mourir, je ne sais pas lequel ce sera. Les premiers, c'est les rouges qui dominent à mort. T'as raison. Et regarde, il est pas con, Polochon, il focus les bleus. Il sait que c'est les derniers. Il est loin d'être con, Polochon. Des rouges, 200 plaques pour eux, 170 pour les jaunes et 80 seulement pour les bleus. C'est terminé pour les bleus, malheureusement. Il reste 3 secondes et on va les voir despawn. Et Gabrix, hein, qui a tout donné, mais qui disparaît. À cause de sa team, Gabrix, ça saute. Gabrix, c'est l'acolyte fou qui était aussi en lice. Il était dans le top 10, l'acolyte fou aussi, ça dégage. Les gars, le jeu veut que Polochon gagne. Oh, alors là, Polochon. Impossible de mourir là. Honnêtement, impossible de mourir sur ce mode. Il n'y a que un nulard qui meurt. Ah, vrai de vrai. Hein. Franklin qui s'éloigne. Franklin qui s'isole, qui a pas peur de prendre un V1 en bordure de cube. Ouais, regarde, Franklin il se fait oublier. Zibane aussi. Et Justine qui vient de mourir. Franklin au Camille, regarde, en pleine bataille. Et c'est Advinity qui a été éliminé, Franklin Okami. Franklin qui veut éliminer Okami, il sait qu'Okami est un grand joueur. C'est l'inverse, c'est Okami qui veut éliminer Franklin parce que Franklin il est bordure. Et le problème c'est que là le pattern il est plutôt avantageux pour Franklin qui a réussi à se faire oublier. Et un dernier drop, mais je crois que c'est bon, ils s'en sortent. Ok, on a plus que 6 amis, est-ce que ça va finir en bataille de sac à patates? Ce serait merveilleux. Chacun pour soi en sac à patates, pourquoi pas? Le mode le plus dur du minigames Jumbo Game. Le mode qui ferait même céder, succomber des joueurs pros. Alors là, et qui commence? Oh non. Maintenant il doit prouver. Oui. Il l'a fait. Polochon pour Squeezie, ton chouchou, ton poulain. Zibane. Oh, il s'est fait oublier Polochon. Camille. Non, il a raté. Oh, Zibane qui est un peu trop tôt. Il a raté. Oh, il est encore un peu trop tôt deux fois. La pression du physique. Il a tué Okami, mais il vient de récupérer une nouvelle bombe, il a pas de chance. Il a donné à Franklin. Il faut faire quelque
gagner Polo Show là-dessus. Il peut faire gagner Polo Show là-dessus. Il l'a donné à Franklin sur... Oh, Franklin qui prend le full pump, qui a montré toute l'étendue de ses capacités. Il n'y a plus moyen d'être discret. Oh, Franklin qui... Oh, Franklin. Il veut pas la laisser à Polo Show. Franklin Polo Show. Le duel, la finale avant l'heure. Franklin Polo Show. Franklin Polo Show. Franklin Polo Show. Polo Show qui esquive. Franklin qui a une bordure. Franklin qui panique. Franklin Polo Show. C'était une extrémiste. C'est Polo Show qui l'a récupère. Et c'est Polo Show qui l'a récupère. Polo Show n'ira pas en finale. Polo Show pour l'histoire. Le brain de Zibane. Zibane contre Polo Show. Au brain. J'ai pas le TikTok. J'ai pas le TikTok. Je crois que si on s'approche de la fin, je crois que. Polo Show, un exploit, un miracle. Non. Oh mon dieu, Franklin et Polo Show sont morts avant la finale. Oh, mais là, niveau stats, c'est un mec qui va gagner. On peut pas savoir là. Attends, mais Zibane, s'il était dans le top 12, j'ai pas vu. Il y a peut-être moyen. Il vole la place, hein, frère. Hein. Il va attendre tranquillement. Il avance un peu. Pas prendre trop de retard, mais t'as raison que. Parce que c'est une 30, hein. Ça, c'est une 30, et en fait, ils vont le faire. Il laisse Zibane prendre des risques en gros, c'est à Zibane de prendre. Zibane qui vient jouer. Zibane. Zibane. Oh, dans le tournoi des nullards, ils font ce genre de move. Bloque-le. T'es un monstre, Zibane, t'es un monstre. Oh mon dieu. Oh Zibane. Oh mon dieu. Oh là là, Zibane qui joue le beau jeu. Faut surtout pas qu'il grid. Ils peuvent passer à la manche suivante. Les deux, ils peuvent aller se jouer ailleurs. Oh, Zibane, il a envie, hein. Tu sens qu'il a envie, hein. Zibane qui meurt. Hein? Quoi? Ah, le chrono était écoulé? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer, Jury là? Jury s'en fait chrono. Gameplay a gagné parce qu'il était plus devant. Jury s'en fait chrono et Gameplay était plus devant, donc il a gagné. Oh, les imbéciles du village! Polo Show! Du coup, Polo Show second! Et c'est bien Gameplay qui gagne! Polo Show premier! Polo Show second! Et Franklin Tremplin troisième! Gameplay vient faire l'escroquerie du siècle, il a été plutôt régu tout au long de la soirée, il vient de top 1 sur la fin, il reprend le scoring au bon moment là où Polo Show était en ligne de mire, là où Franklin s'est fait trop remarquer! Et dis-toi que si ce bon vieux Zibane n'avait pas fait le fou, il aurait pu atomiser, parce qu'il était parti avant! Il aurait pu atomiser RB! C'est Zibane qui a volé cette victoire à Polo Show! Oh mon dieu. Wow. On est en vocal avec Gameplay, Polochon et Franklin Tremplin. Ce qu'on a beaucoup vu ce soir. Et Gameplay, attention l'outsider, on l'a pas beaucoup vu, hein. Gameplay, t'as fait top combien sur les 4 premières games? Je sais pas, je me rappelle plus par contre. Tu l'as fait, tu remportes les 5000 balles. Normalement le résultat est confirmé. Gameplay premier 826 points, Polochon du 92 deuxième, il est pas sur le vocal mais il nous écoute, 814 points. Et Franklin Tremplin, toi t'es avec nous, 716 points. Franklin, toi t'étais très solide. Qu'est-ce qui t'a manqué là? Dommage. T'as été le mec le plus régulier, mais t'as jamais top 1, c'est ça? Ouais, j'ai fait top 2. Après, game retour au lobby parce que j'ai grid. Aïe. Bah les gars, bravo. Vous allez être contacté par Louis pour récupérer le cash prize. Félicitations les mecs. Vous êtes... du coup, vous quittez le groupe des nullards, hein, puisque vous êtes dans le top 3. Vous êtes officiellement plus des nullards ce soir. C'est vrai. J'ai passé un bête de moment. La map, les gars, sera dispo tout l'été. Si vous voulez vous amuser avec vos potes, si vous voulez quitter le groupe des nullards pour rejoindre le groupe des pros, c'est votre chance. Merci évidemment aux devs pour la map et le tournoi. Ils ont fait un super boulot et franchement, c'est pas facile en indé d'essayer de faire des tournois sur une map comme ça sans la complicité d'Epic Games et tout. Vous l'avez vu, ça complexifie un peu tout. C'était vraiment chouette.